La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI et l'Université internationale de Grand Bassam engagés dans un partenariat durable. Cet engagement est matérialisé par cette signature de protocole d'accord entre les deux structures. À travers cette signature, la RTI va faire la promotion des activités de l'Université de Grand Bassam en vue de la faire connaître des populations ivoiriennes, mais aussi et surtout de l'étranger. Et cet accord permettra véritablement à nos étudiants et à nos professeurs de participer à des activités de la RTI. Nous allons pouvoir organiser des conférences, des ateliers, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. École d'enseignement supérieur d'excellence, l'Université internationale de Grand Bassam est un établissement dont la formation est fondée sur le modèle et les standards d'enseignement américains. Les cours sont donc dispensés en anglais et l'école accueille aussi plusieurs étudiants venus de différents pays d'Afrique avec des enseignants issus pour certaines des universités américaines. Ce partenariat permettra donc à la RTI de bénéficier de son expertise en matière de formation. Nous avons besoin d'un personnel qualifié et compétent. C'est d'ailleurs l'un des objectifs de l'Université internationale de Grand Bassam. C'est dans ce cadre que le protocole d'accord de ce jour prend tout son sens pour nous. En effet, nous pourrons bénéficier de l'expertise de l'université en matière de formation et en matière de recyclage pour un certain nombre de nos collaborateurs. Témoin de ce protocole d'accord, le ministre de la Communication, Maître Afousiata Bamba, qui a félicité les deux structures. Cet accord dénote la hauteur de vue des responsables de la RTI et de l'UIGB et traduit leur vision novatrice et multidimensionnelle des missions dévolues aux deux structures. Ce protocole d'accord entre la RTI et l'Université internationale de Grand Bassam, selon les initiateurs, est le fruit de plusieurs mois de travaux.